La vie. Ma vie est simple. Ma vie, c'est celle d'un petit garçon. D'un petit garçon. Comme les autres. Mais ma vie ne m'a pas épargné. Comme vous tous. Certains plus que d'autres, mais on a chacun une croix sur le dos. Je suis né le 29 août 1998. Mes parents étaient en vacances et moi, je suis sorti comme ça, rien demandé. Mais je suis sorti handicapé. Certains pensent que c'est à cause du médecin, mais soyez-en sûrs, je le ferai comprendre qu'on ne joue pas avec la vie d'un enfant. Aujourd'hui, j'ai 10 ans et quelquefois je regrette le temps de l'enfance, le temps où j'avais 4 ans, le temps où j'étais enfant, le temps du temps où tout me semblait insouciant. Mais un jour, j'ai arrêté de voler et je me suis posée. Là, j'ai vu un homme mesquin, petit, voûté, malhonnête. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que j'étais handicapée, que j'étais IMC, que je devrais me battre pour marcher. Heureusement, il y a mes parents et mes amis pour m'aider dans ma quête. C'est écrit, je dédicace à maman, papa, Jean-Pascal, Véro, mes amis, Valentin, Lounès, Chiara, Samantha et surtout Manon. Manon, la fille qui me fait redevenir comme avant. La fille qui me fait voler comme quand j'avais 4 ans. Cette fille-là, elle n'est pas comme les autres. Elle est plus belle, elle est plus compliquée que les autres. Car soyez-en sûrs, les filles sont compliquées. Mais moi aussi, mais cette fille-là, je l'aime. Mais rien non rien n'y changera. D'abord, je suis née. Ensuite, mes membres se sont handicapés. Mon cœur s'est brisé, usé, corrodé comme les assauts des vagues et du vent qui martèleraient une falaise. Moi, ce sont mes sentiments qui, petit à petit, détruisent mon armure de géant. Pour l'instant, je les enfouis. Je souris à tout le monde. Mais qu'arrivera-t-il si je deviens méchant? Mes yeux s'assécheront à force d'avoir trop pleuré. Mon cœur ne sera plus qu'un gigantesque vide. Eh bien oui, car au fond, je déteste tout le monde. Et quand mes vieux démons ressurgiront, j'arrêterai de prendre tout le monde pour des cons. Je suis un monstre ravagé. Regardez ce que leur politique d'intégration fait de moi. Elle a fait de moi un corps sur roulette, exécrable. Excusez-moi, ils nous surveillent, comme si moi, j'étais un méchant. Mais au fond, le méchant, c'est pas moi, c'est l'autre. L'handicapé, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais au fond, qui suis-je, moi? Je suis un gars qui supplierait n'importe qui, n'importe quoi pour qu'on le laisse vivre normalement. Car au fond, la normalité, c'est quoi? C'est une chose subjective, propre à chaque individu. Alors si cet homme que j'ai décrit dans ce texte veut vivre sa normalité, alors dans le fond, pourquoi pas? S'il y a bien une chose qu'il a apprise avec toi, c'est de s'en foutre. Pour moi, vivez votre vie avant qu'elle ne vous vive elle-même. J'en ai marre de cette société où tout rime avec cliché. Noir cliché. Bref, tout est cliché. De toute façon, on est tous un peu racistes, vu que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça nous fait peur. Moi, par exemple, regardez. D'accord, un handicapé un peu raciste, c'est un peu loufoque. Mais regardez, moi, par exemple, je suis raciste envers les racistes, envers les cons et envers les handicapés. Les pauvres, ils n'ont rien fait. C'est vrai, dès que vous nous croisez dans la rue, le premier réflexe, c'est de rigoler. En même temps, c'est normal, t'as été habitué à ça depuis tout petit. Mais si au contraire, on apprenait
à accepter la différence des autres. Oui, à accepter, mais aussi se méfier. Mais en même temps, t'as raison de te méfier des handicapés. Les handicapés, ça bave. Bouh, c'est Halloween. Halloween, où tout est de sortie. En gros, tout ce que je viens de résumer. Valeureux grognard lors de la retraite de Russie face à mes amis absurdis. Quand je me retrouve sous Valium racontant l'histoire d'un ange et d'une orange bleue dans un jardin rose absurdi. Quand je me vois rêvant, la tête éclatée sur le pavé, sur l'échiquier de la vie, je me retrouve abasourdi par tant d'absurdité et je me dis absurdi. Décembre. La vie est un texte exclusivement formé de parenthèses. Si elle était écrite sur une feuille de papier et qu'il me suffisait de la chiffonner pour tout la recommencer, je la recommencerais 1000 fois. Que dis-je, 10 000, 15 000, 100 000 fois. Si la vie était écrite au crayon à papier, j'ai si souvent rêvé de la gommer et de gommer mon passé. Mais ma vie est un texte indélébile, débile, ancré dans mes veines, dans mon âme. La vie est un enchaînement successif de parenthèses juxtaposées, tantôt tristes, tantôt gaies. Il nous est impossible de savoir sa durée. Même une guerre est une parenthèse qui, un jour, doit se refermer sur moi. Je suis resté là pendant des années à attendre la parenthèse surprenante, la parenthèse inattendue, mais elle n'est jamais venue. Ma vie, s'il fallait la recommencer, je la recommencerai pareil, sauf que je la gommerai ou que je gommerai certains détails jusqu'à rendre le tableau parfait. Mais personne n'est parfait.
Alors j'étais ce que j'étais. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je serai. De cette soirée que nous avons passée à débattre des grands principes de la vie. Tes dires m'ont fait réfléchir. Notamment cette pensée qu'un homme ne devient homme qu'à travers la souffrance. Ta représentation de l'échelle qui t'élève ou qui te fait devenir poussière m'amène à penser que les seules choses qui font grandir l'homme sont l'espoir et la volonté. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul, Cyrano de Bergerac. Pour ce qui est de la religion, tes dires m'ont fait réfléchir. Il n'y a pas d'horloge sans horloger, disait Einstein. Barbara, dans une de ses chansons, est-ce Dieu, est-ce le diable, ou les deux à la fois qui, un jour, s'unissant, ont fait ce printemps-là? Je ne sais pas, mais pour tant de beauté, je dis merci. Et chapeau bas. Je vais me plonger dans les textes des trois grandes religions pour essayer de les comprendre. Je serai très fière toute ma vie de t'avoir rencontré, car tu es un grand homme, le seul que je connaisse à savoir expliquer ses idées tout en écoutant les miennes. Et pour te résumer, une seule phrase me vient, avec ironie, mais non sans admiration. Il aurait pu sauver Pompéi, Carthage, ou même Gênes, le grand Eugène. Amicalement, Mathéo Aubry-Martin. Cahier bleu. 22 décembre. Ma vie est une logique quasi mathématique. Ma vie, ce sont des lignes tout tracées, quasi géométriques, discipline échiquienne, aux allures sympathiques. Même mes douleurs n'ont plus rien de tragique. Je ne souffre que par empathie pour mes bourreaux. Cela a même un effet comique. Ma vie n'a plus rien de fantastique. J'aurais aimé que cela change, que cette matrice scientifique éclate et que cette vie réglée comme du papier à musique devienne un bordel anachronique. Ce sont là que des paroles d'un enfant presque grand rêvant de changement dans sa vie future, dans sa vie d'adolescent. Défoncer, charcuter, oublier les sentiers de l'école buissonnière à jamais effacer. Le syndrome de Peter Pan à jamais envolé de mon imagination. C'est tout ce dont on m'a privé. Mon premier, mon deuxième, mon troisième, conduisant à toi, tu t'appelles la liberté. Septembre, je n'oublierai jamais cette fille féline, son parfum, ses manières avaient enivré mon cœur. Oh, ses yeux bleus lunaires m'avaient tout simplement transporté.
J'étais l'esclave et eux les maîtres. Leur agressivité était soulignée par un trait de maquillage foncier. Je le regarde violent, si bien que de temps en temps, je ne savais plus où me mettre. J'étais tombée sous le charme de ce fait un peu apprivoisé. Je crois que si j'avais des lunettes de soleil, je les aurais utilisées comme bouclier. Me voilà à en parler à l'imparfait. Mais ce félin a laissé une trace ineffaçable dans mon cœur. Le décrivain. Je suis inconscient de la portée de mes mots. Je suis capable de trouver la beauté parmi la laideur. Et la bonté des hommes parmi les ordures, erreurs de la nature humaine. Je déjoue la politique et toutes les polémiques avec mes vers. Le poète embellit la réalité. Je l'aggrave afin de servir mes idées et quelquefois insulter la morale publique. Poésie aux griffes acérées qui défend la vie que j'aime mais que je décris. Le 3 décembre, un poème de Rimbaud en tout point vaut 100 milliards de quenots. Une histoire d'Hugo a libéré la France et Faubert a bouleversé les consciences, tout comme Camus d'ailleurs, et l'Albatros. Prévert, je le revois encore, le cancre sur mes cahiers d'école primaire. Verlaine, romantique, torturé, à l'âme sinueuse, tout comme Maupassant, Boris Vian. Et Cyrano, héros, poète, vagabond, a toujours une phrase pour nous rappeler qui l'on est, d'où l'on vient. Et celle-ci m'accompagnera toute ma vie. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Cette phrase semble dire que je suis différent. Et alors ? Voici les écrivains, les poètes, les livres qui m'ont appris à vivre au gré de mes envies et de mes rêves. Un jour, quand je verrai tout de travers, quand je ne sentirai plus le délicat parfum subtil et raffiné des roses, quand je ne verrai plus la vie en rose comme avant, quand j'aurai mon premier cheveu blanc, alors, il sera temps que je prenne le ferry qui conduit au paradis. Thank you.
Ami, cousin, fleur, qui que tu sois, je te dois beaucoup. Et toi, tu ne me dois rien. Ami, tu me soutiens. Cousin, tu n'es pas loin. Et toi, fleur, petite chose de la vie, qu'on oublie, qu'on balaye, tu pousses dans mon jardin. Toi qui n'as pas eu de chance, toi qu'on érode, toi qu'on blesse et moi je te laisse. Toi qui en un coup de vent s'envole, qui en un coup d'aile se fêle, donne-moi ta force. Toi, cousin, ami, qui que tu sois, fais cela pour moi. Eugénie, en regarde-toi, en regarde-toi. C'est comme une valse dans les étoiles, un baiser sur la lune, une accolade sur Pluton. En regarde-toi, en regarde-toi, c'est tout ce qu'on veut, car tu es le génie du monde. Décembre. Laisse-moi être un étranger dans la nuit qui te sourit sans raison. Laisse-moi être ton bien, ton chien. Laisse-moi être amoureux fou. Signer quelqu'un qui ne peut et ne veut pas t'oublier et dans le vague à l'âme du nouvel an le ramène tout doucement à ton souvenir. Le 3 décembre. Si j'étais amoureux, je t'emmènerais dans un pays où la lune blondit. Elle se refléterait dans tes cheveux et ta beauté ferait mal aux yeux. Tu me trouveras un peu vieux jeu, mais tu es un ange à qui on a coupé les ailes. Et les anges méritent mieux. Je t'emmènerais dans des mondes merveilleux, mais pour l'instant, je ne suis pas amoureux. Sur Versailles, il pleut, sur Paris aussi. Et la lune engourdie se fait la bonne amie de mon cœur à Londres. Trois décembre. Le chiffre zéro est comme l'amour et le bonheur. Quelque chose de petit qui fait du grand et du beau. En effet, petit, mais il compose le plus grand car il lui appartient. En effet, le bonheur et l'amour sont deux grandes choses caractérisées par des petites. En effet, comme des mots de si peu de lettres qui peuvent qualifier l'inqualifiable pour des êtres qui savent que dire « je t'aime peut-être ». La vie ? C'est comme une boîte de chocolat. C'est comme une pièce de théâtre où les décors sont de plus en plus vastes. Où les trompettes et les saxos jouent de plus en plus fort. Où les chevaux transportent des charrues ou supportent le poids d'un enfant souriant. Où il n'y a jamais d'entracte, sauf pour les enterrements ou pour les mariages. Où les écrivains écrivent jusqu'à leur plume tombe lourdement sur une feuille. Et nous dans tout ça, que faisons-nous ? Nous sommes de simples figurants. Oui, des figurants. Des figurants en cire qui suivent le courant des actualités. Eh bien, moi, je le dis. Faites quelque chose. Faites quelque chose de votre vie. Car choisir un métier, c'est une chose. Mais choisir le métier qui nous plaît, c'en est une autre. Changer le monde aussi, c'en est une autre. Au moment où je vous parle, vous préférez rester sans voix. Ou choisir votre voix. Moi, je suis écrivain. Et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Thank you.
Thank you.